que le son de petites secondes. Voilà, ça sera mieux. Re tout le monde. Alors, bon bah Time Splitter Blood, c'est terminé. T'es arrivé pour la fin. Merci, c'était cool, c'était un super jeu, j'ai beaucoup apprécié. Mis à part la fin où il fallait tuer tous les splitters, les Time Splitters qui sont transparents, c'était un peu chiant. Mais j'ai réussi, donc en une demi-heure j'ai fini le jeu. Voilà, donc c'est cool, merci beaucoup. Maintenant on va se lancer dans une nouvelle aventure que je ne connais absolument pas, une fois de plus, cette fois ça sera sur GBA les amis. Le jeu s'appelle Golden Sun. Si j'ai bien compris, c'est un RPG à l'ancienne. Jeu imposé par Wistriker. Alors, petite précision avant de commencer. Sachez que je ne commence pas Blackwater, je ne commence pas malheureusement Ratchet & Clank. Ça sera pour une prochaine fois. Non pas parce que je n'ai pas envie. Au contraire, j'aurais vraiment voulu le faire. Sauf que j'ai pas reçu encore mon splitter, justement, ça tombe bien. Le splitter qui me permet de pouvoir faire apparaître la PS3, le flux de la PS3, parce que le HDCV est dans la console, et en fait, contrairement à la PS4 où tu peux le retirer dans les paramètres, sur la PS3 tu ne peux pas. Donc en fait, le Elgato, mon captureur n'arrive pas à renvoyer le flux pour le stream, et donc du coup j'ai une image, j'ai un écran noir. Donc j'en ai commandé un qui va bientôt arriver. Donc dès que je peux, je le refais. Aucun souci. Je ferai parce que j'avais vraiment envie en plus de le faire. Non, c'est pas le remake, c'est ça le problème. C'est que ça aurait été le remake sur PS4. Je l'aurais acheté sur PS4, il n'y avait pas de problème. Non, c'est un PS3, et en plus, comme par hasard, c'est l'un des seuls qui n'est pas dans le PS Now. Parce que je pensais, il y en a plein sur le PS Now, mais malheureusement, celui que Blackwater m'a imposé n'y est pas. Donc je ne peux même pas utiliser le PS Now pour le faire. Donc voilà. Après, l'Arlésienne qui a Dark Lineage, peut-être qu'un jour, avant que Twitch ne ferme définitivement ses portes, j'arriverai à trouver une solution. Actuellement, ce n'est pas possible. Donc c'est pareil, c'est aussi une Arlésienne que... Non, blague à part, je pense que dès que je récupérerai une PS3 rétro-compatible, je ferai le nécessaire. Mais apparemment, le splitter que je vais recevoir me permet de streamer aussi la PS2. Donc normalement, dès que je le reçois, Blood, tu devrais être content, je vais pouvoir, bon, je croise les doigts parce qu'on ne sait jamais, mais je devrais pouvoir le streamer et y jouer. Parce que c'est pareil, c'est un jeu que j'ai envie de jouer aussi, qui a Dark Lineage. Donc voilà. Ganon, ouais, tu réfléchis, donc t'as 60 000 points. Donc, réfléchis bien, réfléchis bien. Et le vieux, si tu joues Kia. J'aimerais beaucoup Blood, hein. C'est le but hein, de la manœuvre. T'as bien vu que tous les jeux qu'on m'a imposés, j'y joue. Et j'essaie de les terminer. Pour l'instant, il y a des paramètres qui me font que je n'ai pas pu tous les finir. Je pense notamment à Dragon Slayer, qui la ROM est buggée, donc il va falloir que je trouve une solution. Pourquoi pas streamer ma NES, ma vieille NES que j'ai à la maison avec le splitter. Ça pourrait passer, mais ça va piquer les yeux au niveau des pixels. Donc on va tester ça. Ajuste les jeux d'horreur. Je préfère pas les jeux d'horreur. Même si dans un coin de ma tête, je pense vous faire, dès que j'aurai le temps, un donation goal qui vous permettrait de m'obliger à faire des Resident Evil. C'est dans un coin de ma tête, mais c'est pas pour tout de suite. On verra bien pour l'instant. Là, il y a Man of Medan qui est là, vous avez en défi communautaire, n'oubliez pas, hein, à faire grimper la... grimper les points, hein, pour le défi communautaire. Je crois qu'on est plutôt pas mal, alors je vais checker, parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui l'avaient fait. RE, ça dépend. Alors oui, c'est vrai que les RE, moi, quand j'étais petit, j'ai joué aux deux. On devait avoir 12 ans.
Je préfère RE à Silent Hill. Pour être honnête, je trouve qu'il fait moins peur parce que le fait que t'as des armes partout et tout, t'es moins limité en ressources pour détruire pour tuer les zombies, etc. C'est quand même moins effrayant. Donc ouais, là on est à 20, 38%, donc ça avance bien. Il reste 25 jours, donc vous avez largement le temps, les amis, pour atteindre l'objectif. Alors RE aujourd'hui ne fait plus peur, c'est vrai que ça fait plus très peur, mais bon. Quand t'as Mister X qui te suit partout dans Resident Evil 2, en fait t'es pas trop serein. C'est pas que t'as peur, mais t'es un peu en stress. Sinon après, si tu sais pas, tu peux regarder aussi Ganon, tu tapes va dans les jeux qui sont sur le PS Now, si tu cherches des idées. Il y en a sûrement qui vont te plaire, et du coup moi ça me permettrait d'utiliser l'abonnement du PS Now pour pouvoir streamer des jeux rapidement, quoi. Parce qu'au moins on est sûr que je pourrais le faire avec la PS4, donc ça serait cool. Si jamais il y en a qui t'intéressent, si tu trouves pas ton bonheur dans le PS Now, n'hésite pas à me en donner un autre et je ferai le nécessaire pour pouvoir le streamer. Alors, là on va faire. Donc là, comme je vous disais, on va commencer Golden Sun qui est imposé par Wistriker. Je vais faire un peu de bricole, les amis, hein, en live. Je sais, c'est pas très pro, mais bon, on fera le nécessaire. En fait, je peux vous le faire. Donc, c'est dans PS New Overlay. On va rajouter. Voilà, c'est ça. Alors, si je le fais en LOL, enfin en full screen, est-ce que c'est pas trop hideux? Voir si on part. Ok, sauf que moi, ce que je vais faire là, c'est capture de fenêtre. GBA. Voilà qui est mieux. Voilà, ma petite. Voilà. Et sur le new overlay, normalement, c'est bon pour vous aussi. Voilà, parfait. RE, ça fait pas peur. Gros, gros jeu, je suis fan. Golden Sun, gros, gros. Bah, pour moi, ça va être une découverte, Ninette. Enfin, Goldie. Ça va être une découverte, je ne connaissais pas. Donc voilà. Wistriker me juge pas, mais le seul RE que j'ai fait, c'est les deux remasterisés, je suis chié dessus. Ouais, bah après, ça dépend des goûts et des couleurs, mais il y a des moments où t'es tendu quand même dans RE. Donc voilà, donc là, on a le jeu qu'on va commencer. Faut juste c'est que je regarde les touches. Où c'est que je peux vidéo, je m'en fous en fait. Ça serait dans paramètres, j'ai l'impression. Paramètres. Contrôleur, voilà ce que je cherche. Start.
fait le tour. Hein. Ouais. Voilà. Donc normalement on est parti là. Alors est-ce qu'on laisse Vlad ou est-ce qu'on met mon nom? Qu'est-ce que vous en pensez? Ton Blas, ok. Ah pas lapin, c'est soit Popo, soit... Soit Blas. Quoi? Ah je suis trop bon. Bah, j'allais être obligé de mettre Popo parce que ça rentrera pas, je crois. Non, ça rentrera pas. On va mettre Popo. Link alors. Ouais, je vais baisser le son du game, pas de problème. On va s'occuper de ça tout de suite. Effectivement, il est à 100%, on va le baisser, voilà, à 75. Là, c'est mieux. On va mettre Popo parce que Poendra, ça rentrera pas. Voilà. Ok. Bon, bah, allez, on est parti pour cette nouvelle aventure. Donc, vous pourrez remercier Wistriker pour ce choix. Moi, j'aime bien les RPG à l'ancienne, donc ça peut être intéressant. Réveille-toi, ça y est, ça commence. Oh ouais, on dirait Zelda. C'est quoi, c'est une fée qui va me dire réveille-toi? Réveille-toi vite. Le rocher du mont Alpha risque de tomber. Bah, juste pour... Oh, je pense, t'inquiète pas, j'aime bien les RPG à l'ancienne. Le rocher du mont Alpha risque de tomber. Par contre, je vais montrer, alors on va passer en full screen, vous allez me dire si ça vous va ou si on reste en fenêtré. Parce que j'ai l'impression qu'en full screen c'est assez pixelisé. Donc qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez comme ça ou comme ça? Full? Comme ça, à l'est, c'est nickel. Ah bah, Ganon veut full, Nashoba, Goldie veulent en mode fenêtré. Ok, on aime les pixels et le rétro gaming, Blood. Oh, on va le laisser comme ça. Parce qu'après, ça va vous fatiguer les yeux. Mon popo, nous devons fuir. Je peux mettre un filtre pour lisser les textures. Ah bon? Oula, tu commences à me... Attends. Filtrage là c'est ça lisse là, c'est moins pixelisé là comme ça. En plus il y a l'orage, ça tremble tous les côtés, bien Popo, nous devons le fuir. Popo, tu as oublié quelque chose. À me brosser les dents. Attraper quoi? Il pleut dehors, il sort pas son tas unique. Quelle tunique? Mais c'est moche! Bah, j'ai mis un filtre bilinéaire, donc je sais pas si c'est mieux. Bien, Popo. Bien, peut-être remplacer, pas une vie. Ok. Popo, Dora. Oh, t'as avec Dora l'exploratrice en plus, oh putain! Moi qui suis grand fan de Dora. Vite, le rocher va tomber d'un moment à l'autre. C'est quoi ce putain de rocher? Ah, apparemment il est tombé. Wow, c'est zoli. Kai, seront-ils capables d'arrêter le rocher? Je ne crois pas longtemps en tout cas. Réfugiez-vous sur la grande place. La grande place. Tu me diras? Ouais. Je vais aider à évacuer les autres.
Laisse-le t'aider, Kai. C'est très dangereux. Dora, prends bien soin de Popo. Popo, il suffit d'un pour le donner seul. Tu peux trouver ton chemin, non, Popo? Non, j'ai peur! Oh, vas-y. Tu connais le chemin, va vers le sud et retrouve la grande place. Ah, y'a pire, on est d'accord, y'a pire. Bon, déjà, je vais aller chez les voisins. Hein, Popo? Tu es venu me chercher? Oui! Oh, désolé de t'avoir bousculé. Nous ferons mieux de nous dépêcher avant que le rocher ne tombe. Non, je voulais juste... je peux aller chez toi? Ah, je vais voir s'il y a des trucs à piquer chez lui. Ouais, bon, je suis comme ça. Objet, psy. Psy? C'est quoi ces psy? Rien à piquer, là. On peut pas éclater les jars? D'accord. Okay. Popo examine la jarre. Mais il n'y a rien trouvé dedans. Bon, regarde la boîte en bois. Mais elle ne trouve rien. Non, mais il n'y a rien. Mais vas-y. Allez, on y va. On descend. Oh là là. Oh bah oui, comme par hasard. Comment je fais, moi, maintenant? Je suis embêté. Bon, j'ai ma boîte, n'est pas assez fort pour les dépasser. Ok, super. Là, y'a qui, là? Bonjour, madame, y'a quelqu'un? Vite, vite, barrez-vous! Y'a rien à piquer? Madame, madame, faut évacuer! Ouais, ma choc utilise force, là. Non, mais c'est pas le même jeu. Y'a personne. Bonjour, le mec, il se pointe chez les gens comme ça. Bonjour! Bon, ok. Mais pas grand, y'a rien à piquer, c'est bon. Même pas casser les jarres. Ok. Bon, en tout cas, il y a du monde ici. Il y a plusieurs lits. Voilà, est-ce qu'il y a un deuxième? Ouais, il y en a un deuxième qui va. Bah oui, bah voyons. Tu te foutrais-tu pas un peu de ma gueule, toi? Allez. Casse l'arbre. Non, tu peux pas. Là, il y en a déjà un qui est tombé. Bonjour. Eh, hey, monsieur, faut partir, monsieur. Ah bah, il est déjà parti. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Faut que j'aille en haut, du coup. Parce que tout est fait pour que j'aille vers le haut. Eh, hey, salut toi! Qu'est-ce que t'as fait? Popo, que veux-tu? J'essaie de sauver mes affaires. Je vais t'aider. Quoi? Tu veux que j'abandonne mes affaires? Non. Ouais. Sur un rocher me heurte, je perds mon coffre et ma vie. Tu as raison, je devrais tout laisser me. Ah voilà! Non, prends, pique, pique, pique ce qu'il y a là-dedans. Pique, pique, pique ce qu'il y a, comment faire? C'est le coffre! Ah, mais pique. Bon, en tout cas, j'ai récupéré un ami. N'allons pas au nord, ce chemin va au mont Alpha. Bah, justement, la grande place est par là, nous devons. Mais c'est qui cette chachette là? Non, mais oh! Pas de courage, toi! Oh! Que se passe-t-il? Le rocher, il tombe. Il va éclater le. Combien on parie que le pont il va être éclaté en deux? Des 4. Le pouvoir des 4 nous délivrera. Le pouvoir des 4 nous délivrera. Il est trop lourd, nous n'y arriverons pas. Sans notre synergie, le Val sera détruit. Mais chez vous courez, c'est un peu plus loin. Allez Popo, cours, le rocher arrive. Cours, Jean-Mi, cours!
Ah bah tiens, ouais, comme par hasard. Oh non, un autre rocher. Nous ne pouvons pas contourner ce rocher. Nous devons trouver un autre chemin. Bravo Jean-Mi, on doit aller par là. Voilà, celui-là il est nul, il est pas... Hop. Alors... Il y a beaucoup de Pokémon pierre dans le coin, je trouve. On peut pas taper là-dedans. Comme dans Virtual Eglide, là, où tu tapes dedans et tu récupères une fée, en tapant dans l'arbre. Ouais, Smallville, oh là là, tu me donnes envie de revoir la série. Lui, je crois qu'il est bourré. Éboulement, palissade, détruite, monstre partout. Ok, c'est bien, jeune. Monstre. Je suis blessé, tu penses que c'est en... Bah, ouais. T'es mort? Je le savais, je suis perdu, sauvez-vous. Mais non, mais viens, j'en ai. Bah, t'es mort. Je bouge pas ton cul. Encore un arbre. Même pas une hache là pour couper les arbres. Bon par contre on peut aller chez toi te dépouiller, dépouiller ta baraque ou quoi? Ah! Un ratatac! Vermine apparaît. Combattre! Attaquer, vermine. Attaquer, objet, défendre. Psy, non. C'est un rat. Oh, c'est graphisme en 4K, digne de la PS5. Ah, c'est digne de Final Fantasy XVI. Je trouve deux pièces d'or. Bon, maintenant que voilà, c'est bon, on va aller par là. C'est quoi ce truc là? Ah, y'a un perroquet! L'animal de compagnie préféré de. Ah non, c'est une chauve-souris. C'est l'animal préféré d'Artemis. Oh, Fatality! On va se faire un petit. Ok. Bon, c'est pareil, perroquet. Bon, là, on a trouvé. Des champignons. Attaque pénicilline. La chauve perroquet. Je... Attends, soit je peux aller par là, soit je peux aller par là. Donc là, il n'y a rien à faire. Et là, tu vas voir que j'ai été dans un coin où voilà, on peut aller par là. On peut aller par là. Oula, oulala. Bah bien sûr. Pour l'instant, je me... Alors, le synopsis de ce jeu, c'est tu te réveilles dans un village, il y a des rochers qui tombent. Okay. On dirait un peu l'intro de d'Armageddon avec Bruce Willis. Oh non, mon frère. Tiens bon, Pavel. Pavel va s'en tirer, nous allons trouver comment le sauver. Ah bah... ouais. Je sais pas. Je... Non, pas mais... Ouais. Ça vaut nous notre synergie. On a tué encore. Ah, ils en vont rester un fond, hein, dans un flacon. Utiliser toute la mienne et toi, Kyle. Ah, mais il est revenu. Je suis épuisé d'avoir aidé le flacon. Mais là, c'est pire. C'est pire. Pas d'histoire non plus. Bah si, tu dois aller délivrer la princesse. Pour les incultes, c'est la réplique favorite de Sean.
Ah, tu me donnes envie de les revoir maintenant, bravo Nash. D'ailleurs, j'ai testé le jeu Chevalier du Zodiac sur NES. C'est une grosse daube. Bah si, en fait, tu prends un des rochers, tu le fous là à l'entrée là-haut, ça bloque la rivière, il n'y a plus de courant et il peut sortir. Lina, peux-tu y aller? Tu trouveras de l'aide. C'est pas les rochers qui manquent en ce moment. Bon, je vous laisse, je vais me reposer un peu. À plus, Blackwater! Ouais, je l'avais aussi sur PS2, mais c'était trop facile. Je vais voir Nord, on va vers la grande place, compris? Oui, madame. Nous cherchons quelqu'un à qui il reste de la psy. Hé, vous! Popo! Tu as vu ça? Ouais. Je vais chercher de l'aide avant que Pavel ne se noie. Vous ne pourrez pas m'aider? Moi aussi. Lina est allée à la grande place, rattrapez-la. Météore de Pégase! Pourquoi je vais pas aller voir directement Pavel, quoi, j'ai envie de te dire. Le mec, il va arriver, l'autre il attend. Oh là là! Vermine apparaît, chauve-souris apparaît. Un ratatac et un Nosferapti. Mais depuis quand il nous attaque? Moi, mon préféré, c'était Shiryu. Mais le mec, quand tu vois comment il finit... C'était un mec, c'était un favori à l'époque, tu vois, mais plus ça avance dans l'histoire, plus en fait, plus c'est le bordel, quoi. Ça sert à rien. Il n'y a personne ici non plus. Machette, chemise, gants et herbe. Ah, t'as de l'herbe, mon coquin. Seiya, Olivier, Aton, Sorazin. Oui, c'est vrai. Je sais même pas si c'est pas le même dessinateur. On me posera la question, tiens. Il y a peut-être des trucs à récupérer. Ils ont rien dans ce bled paumé, là. C'est pas possible. Là sur le live, à part Wistriker et Nash, qui c'est qui a déjà joué à ce jeu-là? Après, c'est un RPG à l'ancienne, donc moi je sais que... Moi, c'est un peu pour ça que j'ai arrêté les FF. C'est à cause du système de combat dynamique. Ça m'a complètement. Ça m'a complètement. Dégoûté en fait. J'ai pas du tout adhéré depuis le 12 quand ils ont mis combat dynamique. C'est pour ça que j'ai commencé par contre les. Comment. Les Dragon Quest. Suikoden, ah putain, Suikoden. Ça aussi c'est un classique. Ah bonjour Quet Quet. Elle est partie par là, ok. Oh, Pavel est tombé dans la rivière.
c'est pourquoi Lina était si stressée. Elle lui fait quoi, lui? Allez là, Lina. Allez aider les anciens, le rocher est trop lourd pour qu'il résiste. Nous ne pouvons pas laisser le rocher raser notre terre. Allons aider les anciens. Nous comptons sur toi. D'un double dragon. L'enfer. Allez Vlad. Comment vas-tu? As-tu récupéré ta synergie? Assez pour sauver Pavel grâce à la pierre synergie. Lina, dépêche-toi. La route peut être bloquée par des rochers, vous deux. Mais j'ai pas envie. Oh, ok, super. On se demande où il met toutes ces personnes. Apparemment j'ai trouvé la bouche de bouton, mais... Il y a un bouton pour quoi, c'est cool. Faut que je remonte par là. Je passe par là. Pavel il est là. Nous y voilà. Il y a des Pokéballs à sa ceinture. Non, je crois pas. Non, pas. Nous sommes là. Laisse-toi Lina. Pas pu trouver d'aide. Comment aller? Tu peux tomber à pic. Alors, mon frère est toujours. Ouais, il s'accroche toujours. Ils sont arrivés ici. Et là, il y a un rocher. Il y a un rocher qui va arriver. D'accord. Oh, cette cinématique. Ça va, toi? Oh, oh, j'y vais. Il est où, Pavel? Non, je ne peux pas bouger, Popo, trouve de l'aide. Il faut le rocher, nous avons besoin d'aide. Tout le monde va se noyer. Maman, papa, Pavel, ne me laissez pas seul. De l'aide, allez. Popo, je ne peux pas le laisser y aller seul. Nous sommes les deux seuls survivants. Ah, ils ont pas... C'est la Team Rocket! Comment imaginer que le temple du sol soit ainsi? C'est un miracle que nous ayons fait. Cet interrupteur, ça devait être un piège. Parce qu'il pouvait invoquer une tempête de cette puissance. Une preuve de la terrible puissance de la chimie. On échoue pour pas... Une fois nous réussirons. Popo, attends. Et merde. Vous écoutiez notre conversation? Non, pas du tout. Popo. Popo, ils ont l'air effrayants. On doit vraiment leur parler. Maintenant on se casse. Vous avez oublié ce que vous avez entendu. J'ai rien entendu, j'aime te dire. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider à oublier. Non! Je bug un peu,
Loïc. N'oublie pas. Moi je peux. Ah merde, inconnu apparaît. Ah bah attention. On se casse. Ah, Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Ah, l'intro est finie. Gordon 5. 2001-2002. Donc là, on est plus dans le rétro que dans Time Splitter. 3 ans plus tard. Pogo, tu n'as pas encore fini de réparer le toit. Tu as presque fini. Ok, continue. Je viens de terminer. Bien, il est temps d'y aller, j'allais te laisser là. Que vous est-il arrivé exactement? L'accident il y a 3 ans, est-ce pourquoi tu étudies la psychologie? Moi c'était t'inquiéter, mais ni ma famille ni le père de Popo ne reviendront jamais. J'ai juste oublié ce jour si tout le monde pouvait faire comme moi. Bien, Popo, rendons-nous visite à Telos. Telos, Thanos, nous étions allés chercher le bébé, mais on nous a trouvé une potion. Quoi, Gareth? Tu allais dire quelque chose, non? Je ne veux pas en parler. Allez. Il faut nous attendre. C'est bien. Si tu es trop long, je te laisse derrière. Allons-y. Pour ce temps-là, comme par hasard, votre travail, Popo. Charpentier, d'accord, il est super. Bonjour les clichés. Tu t'es bien débrouillé. Bien, nous sommes parés. On peut compter sur toi, Popo, comme ton père. Bon, tu penses toujours à les super. Ouais. Je ne te crois pas. Bah pourquoi tu poses la question alors tu connais la réponse? Gardez-toi, vous vous êtes démené pour maîtriser la synergie. Je pense que les choses auraient été différentes si tu avais été plus fort. C'est ce que je pensais. Le mort de Gagne a fait beaucoup de peine. T'es si triste. Je t'ai toujours.
Tu as presque 17 ans, tu ressembles énormément à Kyle lorsqu'il était jeune. Je me demande ce que la vie te réserve, mon chéri. Je sais pas. Madame. Bonjour, Lina. Bonjour. Oui, bonjour. Un 4 sur un toit qui vient juste d'être déréparé. Cherchez la mer, conne. Mais c'est Gareth. Où comptez-vous aller aujourd'hui? Nous allons au mont Alpha avec Télos. Vous allez faire un peu d'escalade. Ah, c'est jeune. Bon, cela fait partie de nos études. Ah oui, l'alchimie. L'alchimie est la source de toute synergie. Et vous savez que le mont Alpha est l'origine de toute alchimie. On dit que Télos est le meilleur professionnel. L'alchimie, je me demande à quoi elle sert. Ta mère préférerait te voir grandir comme un homme ordinaire. Je suppose que vous irez quand même. Bah oui, j'ai un père. Cela ne vous fait pas changer d'avis à la réunion. Tu es aussi têtu que ton père. Soyez prudente, madame. Gareth, non. Et voilà. Il a encore éclaté le truc. C'était génial. Désolé de vous avoir causé une petite frayeur. Bien. Je suis désolé, la prochaine fois je vous laisserai passer. Attends, pas ici. Bam. Voilà, il va tout éclater. Je viens de réparer la toiture. Il sera bien de descendre. Cette vieille maison va s'effondrer si vous restez dessus. Ouais. Je vais tout réparer, pas besoin de me tenir compagnie. Merci, madame. Appelle-moi Dora. Son nom ne sait pas. Attends, Gareth, fais attention au tunnel du pied. Ok, donc c'est bon, on est 3 cette fois. Donc faut remonter, faut aller vers le haut. Le mont est là-haut. Allez, let's go. Synergie sont des mystiques, ce sont les messages, bien obligé de ça. Synergie doit être utilisée pour le bien, j'aime pas le bien, ok. Donc c'est pas encore là, faut monter encore. J'ai rien fait, c'est pas moi. Je vais essayer de me soulever sur le mur. Non. Je vais passer l'éponge de la croix, mais je surveille, j'ai peut-être. Le vol reste immaculé grâce à la pureté de la réparation, mais cette pureté ne reste qu'à éviter la réparation. Avez-vous besoin de passer vous? Ne sommes pas au courant des mystères du temple du sol. Encore eux! Les anciens ne permettent à personne de rentrer par le matalos. Télos peut donc demander de l'aide. Ses connaissances sont vastes, nous connaissons aussi bien. Mais il est têtu que ce que nous imaginons. Et rusé également, rusé à un tel point.
S'il ne vient pas de son plein gré, nous pouvons toujours... Allez, on s'est encore fait choper. Vous, qui va là? Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, non. Vous devrez vous croire. Bah oui. Et c'est vous qui nous espionnez. Espionnez qui fait tout pour vous. Ça va partir en cacahuète encore, je vais encore me faire buter. C'est avec vous que Telos a le rendez-vous. Exact, on a rendez-vous dans quelques instants. Ce rendez-vous est assez important pour le renvoyer. Si votre rendez-vous est plus important que le nôtre, alors... Combat! Allez-y. Vous nous laissez partir. Es-tu sûr, Salamanda? Nous n'avons aucune raison de retarder ces enfants. Bien. Bien. Qui était-il? Il s'est trop tué du temps et du sol. Les choses... choses que même nos anciens ne connaissent pas. Et les quatre étoiles élémentaires en sont la clé. Ce sont des choses que même moi, un sage, ne sais pas. Oh, Popo! On dirait que quelque chose t'ennuie. Moi, eh bien. Ce sont ces deux-là, Salamander et Phoenixia. C'est bien ça. Et ils sont toujours là, qu'ils sont pénibles. Vous voulez être sûr de demander quelque chose, Telos? On dirait que c'est le cas. On dirait. Le mont Alpha et le temple du sol nous ont parlé comme s'ils les avaient vus de leurs propres yeux. C'est des vampires! N'est-ce pas étrange? On ne peut aller au mont Alpha sans une bonne raison. Sont rentrés subrepticement, ils doivent être des voleurs. Nous devons prévenir les anciens et les villageois. Attendez, je ne sais pas si quelqu'un, si ce qu'ils ont dit est vrai. Nous ne pouvons rien faire avant d'en être certain. Que devons-nous faire? Vérifier. Allons vérifier. Je vais aller au temple du sol. C'est impossible. Pourquoi le serait-ce? Parce que ça, le feu est interdit. Nous allons juste voir s'ils sont allés sur la montagne. Ce n'est pas interdit, non? Tout ira bien si nous le font, si nous ne le voient pas. C'est vrai, nous ne faisons rien de mal. Ça sera notre petit secret, bien oui. C'est décidé. Tu seras le chef, ok? Ah, toujours, toujours. Il y a des endroits dangereux entre le mont Alpha et le temple du sol, mais ça devrait aller, pas vrai, Popo? Ouais, bien sûr. Tu es plus prudent que Garrett, Popo, donc ça devrait aller. Ne sois pas aussi incisif. C'est notre meilleure option. Bien, allons-y. Et maintenant, j'ai une équipe de 4. Mais donc, sera aussi fort que Power Ranger, elle manque plus qu'un. Ok, là, t'as eu plus qu'un équipe de 2. Ah bah voilà, une élixir, c'est très bien. Par là je peux pas, en haut je peux pas, je peux redescendre, je peux.
rien fait là. Vous êtes sérieux là? Ça se déplace pas, merde. À tout à droite, à tout à droite. Ah, je pensais moi que ça se déplaçait. Ah oui, il y a un chemin à droite. Un gros détour alors. Je vais passer parce qu'il ne te voit pas. Ah ok. Oh, il y a de la filtration et tout. Wow. Tu m'as pas eu, Jean-Mi ! Allons-y. C'est l'entrée du temple ça, tu n'étais jamais venu quand même. J'avoue que les gens ont eu la chance de voir ce temple. Je suppose que mon perso sait pas nager. On dirait un gouffre-trou. De la bagarre, moi je veux de la bagarre dans ce jeu. Voilà. Les champignons. Et pourquoi le jeu il vient pas avec moi? Oh, je suis comme Flash. Et là c'est quoi? Oh là, les souris. Ah, ça fait esquiver en plus. Des pièces d'or, mais j'ai pas de... Petit joyeux.
Vous entendez le son de la pierre en mouvement. Où est-ce que j'étais ailleurs? Alors attends, ce qu'on va faire. Là, je pense que ça a dû déplacer certaines pierres. Avec de telle sorte que là. Si je peux faire comme ça. Let's go. Ah! Ouh, truc à énigme. Ouh là là, les énigmes. Qu'y a-t-il, Telos? Ces deux-là disaient qu'un passage secret mènerait plus loin. Je suis venu ici assez souvent, j'ai trouvé toujours trop bizarre. Secret, peut-être qu'il mène à... Bien, voyons voir si nous pouvons le trouver. Je crois qu'il est sérieux, on devrait l'aider. C'est dangereux de nous séparer, restons ensemble. Ok, donc alors attends, j'ai vu un truc là. Voilà, il y a ça. Oh. Tellement facile. Je pensais que ça serait plus compliqué que ça. Je pensais qu'il aurait fallu déplacer des statues. Oula! C'est quoi ça ce... Chauve-souris, limon, limon. Donc c'est des limaces, ces limons. Allez, je vais chasser. Elle est morte. Ah, ils sont barrés! J'ai besoin d'XP là. J'aime bien. Popo passe écuyer niveau 2. Écuyer maîtrise tremblement. Maximum de vol monte de 7, épée monte de 3, la table monte de 3, le 2, la puissance monte de 4, le 3, 5, 5, 5. Je suppose qu'il doit y avoir des marchands dans ce jeu là aussi. Pour acheter du stuff. Voilà, ça sent le. Ça sent le labyrinthe ce truc là. Vas-y, checker un truc.
aujourd'hui j'ai quoi en fait? Chemise, équipé, donc j'ai un élixir. Ok. Il y a deux herbes, ok. Et elle est là, elle a que dalle. Et dans mon... J'ai pas d'inventaire. En fait, chacun a son propre inventaire, c'est ça? Un coffre. Fume-moi de l'herbe. Oh, petit joyau, ça veut dire que... Ah, Gareth passe garde niveau 2, cool. 4 pièces d'or, ok. Donc j'étais parti par là. On va aller sur l'autre côté. Alors comment je soigne mon équipe? Sauvegarder, changer de paramètres. Alors pour l'instant ça va, je dirais. Ok. Donc j'ai des sorts de soins. Ça, ça va être pas mal ça. Voilà. Lina. Niveau 2. Ouais, j'ai vu qu'il y a un truc de défense, un truc de... Un truc de défense et de... Et d'attaque. Il doit y avoir des statues. Elle me semble hors d'atteinte. La clé doit être la app synergie. Popo essaye d'utiliser la app synergie. Là, je suis dans SOS Fantôme maintenant. Voilà, mange. Il y a des trucs de par là, non?
lequel, y a rien ici. Ça, il y a rien. Ah. Alors qu'en fait, je gaspille de... Je suis en train de gaspiller pour rien. J'ai déjà trouvé les bonnes. Ah non, il y en a une. On va aller voir par là. Par ici. Ok. Il s'est barré. Voilà. Le psy, c'est ça pour les attaques en zone. Ok. Fais-moi un truc. Oh ouais, de l'herbe, ça c'est bon. Il est tout seul. Tout le monde à l'attaque, allez. Nous l'avons trouvé, le soleil. C'est la marque du soleil, le cœur du temple de sol. C'est comme je l'avais imaginé, ça veut dire qu'il disait la vérité. Ce qu'il disait était vrai, ce sont sans doute des voleurs, ils sont venus piller le temple. Dis-toi, c'est comme FF, herbe, soin, élixir, mana. Ok. Oui, de toute façon, c'est les codes classiques du RPG, hein. Ça, j'en doute pas. Hâtons-nous de revenir au village, prévenir tout le monde. Nous sommes si prêts. Prêts, prêts de quoi? Nous avons fait le chemin jusqu'au temple du sol. Faire demi-tour et partir. Ça te pose un problème? Le de sol et la source de l'alchimie, ça serait dommage de... Qu'en penses-tu? Veux-tu aller plus loin? Bien sûr que je vais aller plus loin, t'es malade, ouais, merci. Présenté comme cela, nous n'avons pas trop le choix. Je suis avec Telos, je veux y aller. Vraiment, allons un peu plus loin alors. Bien, c'est décidé, allons-y. Tu veux que j'aille où? Ah ouais, je peux aller par là, ok. Là, c'est la lune. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Il y a une lune au centre, un dessin de Luna. Elle doit représenter la nuit. Cette pièce doit être liée, tu crois pas, bien sûr. Luna et Sol, c'est celle de Vortana, cette femme. Mais lequel? Qu'est-ce que ça veut dire, Popo? Tu veux bien regarder dessus? Dis-moi si tu trouves quelque chose.
Là, je devrais avoir. Ok. Ah, je sais. Mais non, mais je veux... C'est ça, en fait. J'ai pas besoin d'utiliser le psy. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que se passe-t-il? Ouais, tu vois, c'est pas une grosse erreur. Le cours attend. Qui a-t-il, Telos? Très intéressant que tu aies trouvé. Mais ça a tout l'air d'être un piège. Un piège? Pas dans la salle de Mona, tu comprends. On est 4, il y en a 4, c'est bon. Mais pourquoi mettre un piège ici? Je ne sais pas pourquoi, mais ils doivent protéger quelque chose d'important. Peut-être qu'ils ont caché les secrets de la chimie. On en saura plus, bien sûr. Franchement, si je voulais l'expliquer, ils vont essayer de trouver une solution à ce mystère. Pour un autre mystère, je vais continuer à fouiller la salle de continue à fouiller le temps. Intuition me dit. Peut-être qu'il y a quelque chose. Il va bien aussi quelque chose. Ben reste là, on mettait les 4. En fait, c'est le soleil qui est reflété. Est-ce que je peux faire... Est-ce que je peux passer derrière? D'accord, je peux pas passer derrière. Ah, il y a des trucs par là, ok.
crois que je vais prendre ça. Allons voir le vieux, peut-être qu'on peut me dire, maintenant qu'on a vu un truc. Alors en fait là, faut que j'arrive à... Attends, je sais pas quoi. On peut la faire reculer elle ou quoi? Mais comment je peux la faire reculer en fait? Parce qu'en fait je pense qu'il faut que je pousse l'autre d'abord, mais alors comment la pousser? Ah voilà, c'est bon. Voilà dedans. Voilà. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Il faut d'avoir fait quelque chose. Ce trou, tu auras une réponse, mais ça va pas te plaire. Faut beaucoup à déplacer cette statue de rayon en bière et de la statue. La statue est un piège. Et cette autre statue est un piège. C'est dans la salle de ménage, ça veut dire. Puis ça va projeter le soleil. Regarde le symbole de sol, il a changé de sol à l'honneur, ils ont inversé. La porte des étoiles. Allons-y, pour pouvoir, bien sûr.
C'est le monde à l'envers. Où sommes-nous? C'est le vent. L'océan. On est dans l'Atlantide. L'océan, c'est quoi? Au bout du monde, il y a l'océan, une étendue d'eau infinie. Tu ne pourrais pas comprendre, je ne te le crois. Il y a des chemins à prendre. Les étoiles élémentaires. Elles existent, les étoiles élémentaires existent. Pierre le bois, tout est composé de ces éléments. Ai-je bien compris le bois? Comme je te l'ai souvent dit, les éléments sont la source de toute matière. Terre, eau, feu et air sont les quatre éléments. Et Mila Jovovich est donné le cinquième. La légende dit que les quatre étoiles élémentaires contiennent l'essence de chaque élément. Maintenant, ces pierres légendaires se trouvent devant nous. L'étoile de Vénus, c'est la pierre élémentaire de Terre. L'étoile de Mercure, dont la forme varie comme celle de l'eau. L'étoile de Mars, où je le fous, qu'elle contient. Ouais, bref. Et l'étoile de Jupiter, maîtresse de toute forme de vent. Télos, pourquoi es-tu si excité? Comment peux-tu rester si calme face à de telles merveilles? Tu es devant l'origine même de la chimie. Je ne te l'avais pas dit avant. Quoi, j'ai dû m'inscrire car je n'ai pas la moindre idée de ce dont tu parles. Les pierres de Chasgès, les pierres de sages. Ces pierres dominent tout. Elles transforment le plomb en or et peuvent même vaincre la mort. Commence à comprendre, hein, oui. L'étude de l'alchimie commence avec la recherche de cette pierre. Je ne comprends pas comment elle fonctionne, mais elles ont un pouvoir gigantesque, pas vrai? Au-delà des gigantesques, alors une seule de ces gemmes, avec une seule de ces gemmes, on peut conquérir le monde. Peut-être que tu commences à comprendre. Je ne ferais pas comme ça. J'ai vraiment cru que tu étais sérieux pour conquérir le monde. C'est pourquoi je cherchais les étoiles élémentaires. J'aimerais résoudre le secret qui les entoure. Elles sont devant moi. Sois prudent, Télos, ça a l'air glissant. Mais je dois examiner les étoiles élémentaires. Demande au garçon. Je suis sûr qu'il en sera ravi, pas vrai, Popo? Merci. Tu auras besoin de cela. Il vient de ta chaumière par Redemos. À quoi servent-ils? Ils sont faits de fils de mithril tissés. Le mithril! Seigneur des anneaux! Je m'étais préparé pour une telle occasion. Va chercher les étoiles élémentaires et mets-les dans ce sac.
Il y a un ordre. Il y a un ordre à prendre. Voilà. C'est celle-là en haut. Ok. Eh bien, ramène-moi les autres. Il est chelou, lui. Ça se trouve, c'est Jafar déguisé en mendiant. Professeur Tournesol, j'ai pas trop confiance. Ok, on peut pas aller par là. Et on peut aller par celle-là aussi. Celle-là, on peut aller la chercher. Ah, il y a un autre truc qui va se lancer. Un truc qui va pas. On dirait qu'ils nous ont repérés. On est juste jusqu'à ce qu'ils aient tous les étoiles élémentaires. Vous êtes là pour voler les étoiles élémentaires. Vous prenez-vous pour des voleurs? N'est-ce pas vous qui avez volé les informations, nos informations? Qu'allez-vous faire de tout de nous quand vous aurez les étoiles élémentaires? Je pense qu'ils nous liquideront lorsque nous leur servirons plus. Calme, on ne vous fera pas de mal. Là, c'est leur chef. C'est que nous avons convenu, hein. Oh, ce traître, le vieux! Je vais prendre leur coopération. C'est pas suffisant. Bien entendu, si vous voulez, vous avez besoin de nous donner une étoile de terre. Acceptez-nous sous les conditions. Non! Bobo, ne donne pas les étoiles élémentaires. Pourquoi tu ne tiens pas à tes amis? Quelle garantie avons-nous que vous tiendrez votre promesse? Des garanties? Ah, j'en ai une. Tu vas devoir enlever ton masque. Ce
cela signifie. Ah bien sûr, bonne idée, elle sera notre garantie. Vu de circonstances, nous n'avons pas le choix. Pavel, enlève ton masque. Pavel ? Quoi, qu'a-t-il dit ? Il l'a appelé Pavel, c'est ce qu'il a dit. Hein. Tu as entendu la même chose, Pavel, c'est impossible. Toujours le rocher, nous l'avons vu mourir. Hein. T'en souviens pas trop ? Ah, Crisaor, comment ça va ? Alors, quel type de garantie nous donne-t-il ? Qu'y a-t-il, Pavel ? Tu ne veux pas qu'il se sente en sécurité ? Pavel, ce n'était pas le nom de ton frère. Mais cet assistant, mon frère, il... Je vais le faire. Ça peut aller aussi. Je vais enlever mon masque. Là, on commence un nouveau jeu imposé. Nouveau RPG. C'est pas possible. C'est... C'est un miracle que j'ai survécu ce jour. C'est nous qui l'avons sauvé. Nous l'avons vu en train de flotter dans la rivière. Et depuis je suis resté avec eux, j'ai beaucoup appris. Mais pourquoi? Pourquoi m'as-tu laissé toute seule? C'est Golden Sun sur Game Boy Advance. C'est Striker qui me l'a imposé. On va remettre cette touchante réunion plus tard. C'est vrai, les étoiles élémentaires sont plus importantes. Elle s'inquiète pas, Pavel ne nous laissera jamais faire de mal à sa soeur. Pour être franc, je l'ai commencé, ça fait à peine une heure que j'ai commencé. Pour l'instant c'est pas mal, c'est un RPG à l'ancienne. Pas le choix, tu crois qu'on doit leur donner? Si on ne leur donne pas, ils ne le relâcheront pas Mina. Garrett a pris les étoiles élémentaires. Mais quel enfoiré. Voleur! Allez-vous me laisser ces étoiles élémentaires? Oh Alex, tu es en retard. Alex est un de nos compagnons, donne-nous les prix des pierres. T'as déjà joué à Secret of Evermore? Non, Crisaor, j'ai pas eu ce plaisir. Après qu'on ait fait tout ce travail, Garrett donne des étoiles. Je m'excuse par avance. Il va falloir nous amener la dernière étoile de mon père. Attends. Vous voulez qu'on prenne l'autre aussi? Oh, mais vous n'avez pas compris. T'as dit que tu libérerais Lina sans te donner les étoiles élémentaires, tu as promis. Non, non, mon ami, nous voulons toutes les étoiles élémentaires. Arrêtez de marmonner et mettez de l'étoile. C'est bien, tu es un drop petit. On va le faire eux-mêmes, hein. Ils ont pas de raison. J'ai tout retapé. J'ai oublié de refaire tout le tour. Ben à l'occasion, ouais.
Bah pour l'instant j'ai pas mal de jeux encore imposés, donc on commence celui-là après, après que j'ai enfin réussi à finir Time Splitter 3. Maintenant on va voir celui-ci. Qu'y a-t-il que s'est passé? Non, pas encore. D'accord. Plus de l'énergie des étoiles élémentaires, la CSF. Et en plus il y a Ganon, tu dois en prendre un autre aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est quoi ce machin? C'est moche. Ce rocher il flotte, tu sais ce que c'est mon pauvre. Moi non plus, on dirait que quelqu'un utilise de la synergie pour se trouver. Est-ce que ça pourrait être un tel pouvoir, c'est incroyable. Waouh. César, on veut protéger les étoiles élémentaires. Un boss, si nous devrions partir dans le premier pouvoir. Il faut les prendre pas. On va venir, nous ne faisons pas les points de cette vidéo. Et vous pouvez garder, on ne peut pas les laisser ici. Oubliez-les, ils ne sortiront pas vivants. Les salamandres, ils ont une chance de survivre. Il est possible que je suis gentil. Nous emmenons Lina avec nous, s'ils survivent, ils viendront la chercher. Et s'ils viennent la chercher, ils nous apporteront l'étoile. C'est mieux là. Quoi qu'il en soit, Thélo soit venir avec nous, il est lié à tout ça. Alex, je rends ta promesse. Les conditions ne sont plus les mêmes. Lina n'a rien à voir avec tout ça, même pas. Je ne sais pas vous faire du mal. Qu'est-ce que vous voulez de moi, mais laissez Lina partir. Le robot est tout à ton honneur, vieillard, mais tu ne peux pas aider Lina. Si nous laissons Lina, il mourra sûrement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu veux pas l'aider? Il y a beaucoup de dialogues quand même. Nous devrions continuer cette discussion ailleurs quand même. Peut-on partir maintenant? Allons-y. Dépêche-toi. Eh, ne pousse pas ma sœur. Fais attention à ce que tu dis, tu me dialogues. Maître Thélos, vous allez nous accompagner, bien sûr. Tout le monde se casse. Et nous, on va rester là comme des couillons, à attendre la mort. Donc, arrête, ne mourrez pas. Dommage qu'on va laisser un moment sur le dessus. Ils sont cachés derrière la statue. Ça ne s'est pas super bien passé. Hein. En effet, c'est un miracle qu'on ait survécu. Il a été le sang parti. Tu ne penses pas qu'ils leur feront du mal quand même? Ouais, tout ira bien pas aller là. Ah, surtout qu'on a la dernière pierre qu'ils veulent. Elle est partie à l'autre. C'est vraiment terrible. Nous avons du chemin à faire si nous voulons nous en sortir. Dépêche-toi! Nous sommes dans le beau drap, en effet.
Filons d'ici. Bobo, Bobo, je suis là, nous devons fuir. Il y a un truc qui me fixe. Un truc chelou qui me fixe depuis tout à l'heure. Pourquoi restes-tu ici? Cet endroit est très dangereux. C'est toi qui es dangereux. Je ne le retiendrai pas longtemps. Vous devez quitter cet endroit. Allez, un petit compte à rebours. Prenez l'étoile élémentaire. Remets-la dans son sac. Les étoiles élémentaires, c'est le... Le pouvoir des étoiles élémentaires pour être contenir, le magma se libère et cette salle commence à recouler. Les étoiles élémentaires n'auront nulle part où revenir. Le monde sera vulnérable face à la menace de l'alchimie. L'alchimie, une menace? Elle peut être dangereuse entre les mauvaises mains. Si les étoiles élémentaires allument les feux de quatre phares, ce pouvoir sera libéré. L'arrivée à l'avant-ville, tant que les quatre phares restent éteints. On se casse vite. On va se faire défoncer par les anciens. On va se faire démonter. C'est son grand-père et les autres. Que pouvons-nous faire pour que tu puisses remonter?
J'arrête. On peut rien faire, toi. Vous êtes souffle. Venez ici, vous deux. Oh, on va se faire... On va se faire gronder. Où étiez-vous? Que s'est-il passé? Luna et Telos n'étaient pas avec vous. Ils veulent rien dire. C'est très compliqué cette histoire. Il faut que vous nous racontiez tout ce qui s'est passé. Tu racontes toute l'histoire. Vous êtes bien silencieux. C'est comme si vous étiez ailleurs. Cette pierre qui lévitait dans le temple, vous l'avez déjà vue dans mes rêves. Elle est apparue dans mon esprit et vient de me parler. Vous venez de la voir ? C'était l'inexorable, le gardien des étoiles élémentaires. Il m'a dit que vous êtes arrivé au temple du sol. Et que dit-il au sujet de l'éruption? Est-ce que le volcan détruira Arval? Il est impossible d'arrêter l'éruption pour le moment. Val sera-t-il? Val ne craint rien, mais il aura bon pêcheur à la d'arriver. Qu'y a-t-il, grand prêtre? Le village sera-t-il détruit? Quelque chose de pire que la destruction de Val plane sur vous. Quel type de pierre qu'à destruction de l'homme? Destruction du monde! Terrible puissance! Les gemmes étoiles élémentaires renferment une puissance phénoménale. Et Val garder ces gemmes? Tout à fait. Les phares élémentaires vont libérer ce pouvoir sur le monde. Une fois la puissance des gemmes libérée, le monde entier sera perdu. L'inexorable va récupérer les gemmes. La survie de notre monde est en train de mourir. Si nous ne faisons rien, le pire est imprévisible. Quel dommage! N'attendons pas plus, il faut que nous prenions les choses en main. Que veut-il faire? Récupérer les étoiles élémentaires et leurs responsabilités. Suggérer que nous mettions les destins du monde entier entre les mains de Popo et Gareth. Gareth n'est qu'un enfant, vous ne pouvez pas lui demander un tel exploit. Inexorable à parler. Merci, bonjour la pression.
Vous êtes tous deux entièrement responsables. Et maintenant, il faut que vous vous décidiez. Je ne sais pas quoi faire, mais pour décider, s'il te plaît. Pourquoi acceptes-tu que le destin du monde repose sur tes épaules? Bon, bien sûr, sinon il n'y a pas les... Sinon, il y a marqué Game Over. J'ai pas forcément le choix. Je ne peux pas te jeter la pierre à ta place, j'en aurais été incapable. Ah, Padawan. Une fois que tu seras sorti du village, tu ne pourras plus changer de vie. Pense-y bien avant de quitter le temple. Ah, c'est mon cas. C'est ainsi que le monde dérive lentement dans le sens infini de son funeste destin. Recommencer le jeu. J'ai foutu. Pourquoi acceptes-tu que le destin du monde repose dans tes épaules? Bah, j'ai dit oui. Je m'accroche. Non, je ne veux pas te jeter la pierre à ta place, j'en serai incapable. Attends, je comprends pas là. Ah bah voilà, c'est mieux. J'accepte. Tu acceptes. Oh Popo, quel courage. Tu as choisi de laisser Popo décider pour toi. La discussion s'arrête là. Tu es le maillon faible, au revoir. Vraiment dégueulasse cet œil. Vous êtes bien courageux d'entreprendre une telle quête. Je verrai sur vous, choisissez bien votre voie, mes enfants. C'était inexorable. Qu'a-t-il dit? Pas grand chose. Pavel doit libérer la puissance des phares. Trouvez les phares, vous serez guidé par cette étoile lumière. Vous pouvez sans doute nous apprendre autre chose qu'un prêtre. Venez, trouvez les élémentaires, les djinns. Mais il y a un autre. C'est à vous de jouer, Popo Garrett. Temps de m'hésiter. Oh oui, la méditation, vas-y. À quoi ici? À quoi ils servent ces gens? Envoyer des enfants sans leur donner d'aide. Je suis d'accord, mais. Ils nous ont pas donné d'autre choix. Tout le monde.
sais pas. Oppo et Garrett quittent le Val pour un voyage. Si seulement je pouvais y aller. Il paraît que ça serait bien dangereux. Ah oui, alors tout le monde est là pour dire au revoir. Sur toi aussi, Garrett. Ne buvez pas à nous si elles sont bizarres et prenez cela avec vous. Autre herbe, oui. Mais il ne faut pas abandonner le plus silence. Ne les coupe pas, mon gars. C'est un port soleil, il mangera tout ce qui lui passe sous la main. Dora est très en retard. Oh, c'est vrai. Dora m'a demandé de te donner ça, Lopo. Père de l'Arsa. Okay. Je crois qu'on est pareil, hein, Lopo. Ouais. Réfléchis encore, Garrett. Ça doit être très difficile pour Dora. Autant la mère de Garrett, je ne peux pas compatir. Mais j'ai toujours le père de Garrett. Alors que Dora n'a plus de peur. Elle ne veut pas que tu partes. Mais elle sait que tu dois y aller et ça lui fait de la peine. Ça continue comme ça, ils ne partiront jamais. Allez, un dernier au revoir. Au revoir. En route pour de nouvelles aventures. Nous quittons. Ah, attends, juste faire un seul garde. Voilà. Bon. Ben moi les amis, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, on continuera demain. Demain j'essaierai de commencer tôt. Donc on va dire qu'on a fait prologue. On peut appeler ça le prologue, l'aventure commence aujourd'hui. À partir de maintenant je pense. Ça a l'air d'être bien sympathique. J'espère qu'il y a pas mal de combats, parce que là il y a pas mal de blabla, mais bon, fallait bien poser les bases de l'histoire, donc c'est plutôt cool. Le lore est posé, l'aventure a commencé maintenant. Je croise les doigts pour pas mourir en boucle contre les mobs. Mais je pense que ça devrait plutôt bien se passer. Ça s'annonce plutôt bien pour l'instant. Donc voilà, on continuera. Pour rappel, j'ai quand même pas mal de jeux encore à faire en parallèle. Donc je pense qu'on va, switcher entre deux jeux, entre celui-ci et un autre, imposé. Il y aura deux jeux imposés et puis que je ferai en parallèle. Ce soir pas de stream parce que je suis sorti. Mais on revient demain. Demain comme c'est dimanche, ça sera plutôt des streams détente. Donc il y aura un petit peu de Golden Sun et d'autres jeux. Mais on avancera dans l'aventure. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vais sûrement passer un petit peu en vocal sur le Discord, discuter avant de partir. J'ai 2-3 trucs à faire en parallèle. Et puis voilà. En tout cas, merci. Merci d'avoir été là. Je suis content d'avoir fini Time Splitter et de commencer cette nouvelle aventure avec vous. Et je vais vous envoyer chez qui maintenant. Ça, là, il y a la question. Qui est en live? Déjà qui a Switch. Ah bah il y a Goldie qui est sur Jurassic Park Evolution, un jeu de gestion. Donc on va vous envoyer chez Goldie. Chez Goldie et Linette. Allez, construction de parc d'attraction pour dinosaures. Et moi je vous dis
À demain. Des bisous. Très bonne soirée tout le monde. Ciao ciao. Oh my god, point noir. On kiffe la musique, on kiffe la musique. Re-salut Arte. Oh là là là. Je vois tellement Poendra arriver dans sa tenue de Golgoth, là, enfoncer la porte, mettre le spray dans la gueule du type. Comment ça va les gars? J'espère que vous avez kiffé la fin de TypeSpeaker. En vrai, ça m'a rappelé des bons gros souvenirs. Et j'espère que vous avez bien aimé le début de Golden Sun, qui est vraiment un très très gros RPG, les copains. Bonjour. Alors, Dieu crée l'homme. Dieu crée les dinosaures. Dieu détruit les dinosaures. Dieu crée l'homme. L'homme détruit Dieu. J'adore. C'est vrai que c'est clair, c'est clairement ça. Ouais, bah pour l'instant, on gagne pas de thunes. Nous, on est là pour se faire de la caillasse, meuf. On dépense sans compter, mais on perd aussi. Vieux loup. Ah, putain. Ah, ce jeu, ouais. Ouais, non, je suis un gros, gros fan de ce jeu. Je suis fan déjà du film, mais le jeu... Alors, j'avais commencé sur Play. J'avais bien commencé sur Play. Le parc, genre, j'avais plus de place ici. Hein. Et je me suis dit, hey, en mode chill, on peut faire ça en stream. C'est pas mal, tu vois. Pour passer le temps, genre, changer les idées aux gens si ça va pas trop. Et en vrai, je prends un malin plaisir à jouer à ce jeu. On peut faire une petite recherche, genre... Une recherche intéressante. Ah, ça, c'est bien, ça. Le sniper. Alors, on va éviter de faire ça de suite. On va améliorer. J'ai un peu pris de court là en vrai. Bâtiment, il y a quoi? C'est quoi? Ah ouais,